Bonjour, antérien. La grosse horloge, ancienne porte de l'enceinte, séparait le port de la cité. La base, très massive, hein, comportait deux ouvertures, l'une pour les piétons et l'autre pour les attelages. Datant du XIVe siècle, elle fut modifiée en 1672 pour ne faire qu'une seule arcade. Et en 1646, figurez-vous que les toits à Poivrières furent remplacés par des dômes ornés de pilastres, de colonnettes et amours supportant des mâtons et des drapeaux. Magnifique, hein? Oui, j'ai une petite question à vous poser, au fait. Je voulais vous demander, à l'origine, à quoi servait la grosse horloge? À vous de faire fonctionner les neurones et à bientôt pour de nouvelles découvertes.